Hello everybody, c'est Emma Swag. If you're waiting for the moment, here it is. If you're aiming for the heart, then you can't miss you. Aujourd'hui, je vous reviens, comme vous avez vu dans le titre, pour le tag des 100 questions que vous avez vu un peu sur toutes les chaînes youtubesques du monde entier. Voilà. Non, pas du monde entier, de France, je crois. Mais je crois que c'est un tag anglais. Bref. I don't know. Voilà, je l'avais fait ce tag avant de partir en Thaïlande et au montage, ça me plaisait pas trop et tout ça. Et donc je le refais 10 mois après. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de questions. Alors, première question, dors-tu avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Les deux, mais ouverte, genre pas grande ouverte, genre à moitié fermée. Enfin, chez mes parents, je parle parce que chez moi, j'ai pas de truc qui sépare vu que je dors dans le salon. Mais chez mes parents, je dors la porte qui baille un peu. Comme ça, ma chienne, bah, si le soir elle veut venir dormir avec moi, bah, elle peut. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors, oui, quand c'est un bon hôtel. Si c'est un hôtel tout pourri, non. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas vraiment fait, en fait. J'aime bien me faire le burrito quand je dors. Genre me foutre la couette sous les pieds, m'enrouler dedans. C'est pour ça que je déteste dormir avec quelqu'un, c'est parce qu'à chaque fois je prends toute la couette et j'aime pas dormir avec quelqu'un, c'est trop chiant. Et donc moi je m'enroule dans la couette, il faut que la couette elle passe sous moi, bref c'est trop bizarre. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? En fait c'était pas un panneau dans la rue, c'était, ouais je me souviens, c'était dans un champ. Près de chez mes parents, en fait, ils habitent en plein milieu de la campagne. Et genre dans le champ, il y avait une sorte de drapeau. On l'a pris, on courait sur la route, et on était trop contents, on avait un drapeau, bref. T'es jeune et con. Utilises-tu des post-it sur mon ordinateur? Dans le sens, genre sur les Mac, on a l'application post-it, mais dans la vraie vie, non. Voilà. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? J'en découpe même pas, donc voilà. Préférais-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Un gros ours, parce que les armées d'abeilles, j'ai déjà assez de boutons sur la gueule là, je suis déjà assez minée, vous voyez, j'ai pas envie de ressembler à la meuf de Hunger Games là, je sais pas si vous avez vu Hunger Games, le 1, voilà je vous mettrai une photo. As-tu des taches de rousseur? Non, mais j'ai des grains de beauté. Donc, comme vous le savez, je suis allée en Thaïlande, je pense que vous avez compris. À cause de mon exposition au soleil, j'ai eu énormément de grains de beauté qui sont arrivés. Des grains de beauté qui sont arrivés là, je ne sais pas pourquoi. Et j'en ai ici sur les épaules. En fait, c'est là où j'ai pris des coups de soleil. Et j'en avais sur le nez, mais ils sont totalement partis. Genre, c'est trop bizarre. Bref, c'était des sortes de taches de rousseur chelou. Souris-tu sur toutes les photos? Oui, normalement. Si, oui, non, oui, je souris sur toutes les photos. Quel a été ton plus gros caprice? Alors j'étais pas trop capricieuse quand j'étais gosse, à ce qui paraît, hein, ma mère m'a dit ça. J'étais une enfant plutôt normale. Je crois que c'était un jour où on était sur les quais de Seine avec ma demi-sœur, je me souviens, et mon père, ma mère et d'autres gens. On est passé, vous savez, là où il y a toutes les animaleries. Et là j'ai énormément voulu un chien, alors qu'on en avait déjà 4 à la maison. Voilà. Mais je voulais un chien et je me rappelle avoir fait la gueule, mais pendant très longtemps. Genre sur tout le trajet, toute la journée, enfin la gamine chiante quoi, la gamine qu'on a envie de noyer dans la Seine quoi. Comptes-tu les marches que tu montes? Non. Déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Ouais, plusieurs fois quand je devais être gosse quoi, normal. Et la grosse commission, ça non, c'est complètement dégueulasse mais je pense que je m'en souviendrai, mais non. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Toujours, la musique c'est dans ma tête. Je fais des petits mouvements genre. M'achètes-tu le bout de tes stylos et crayons? Non, je trouve ça complètement dégueulasse en fait. Parce que genre t'as toutes les bactéries, puis après tu le refous dans ta bouche, puis t'as toutes les bactéries. Ah. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah zéro, moi-même. J'ai dormi avec moi-même. Je suis de très bonne compagnie. Je fais le burrito avec la couette. Quelle taille fait ton lit? C'est un lit de place, putain j'ai ma couette en mode, en plus là je suis en train de changer ma housse de couette donc je suis en mode bonjour mon lit n'est pas fait, je fais une vidéo, youtubeuse beauté dégueulasse, voilà et ouais mon lit c'est lit de place, je déteste dormir dans un lit une place, je ne supporte pas, je ne sais pas pourquoi, je supporte. Quelle est ta chanson de la semaine? Ah ça j'adore. Thank you.
est-ce ok de porter du rose? Bah bien sûr. On Wednesday we wear pink. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, bien sûr. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? C'est Django, je crois, de Tarantino. J'ai vu avec ma mère, on l'avait enregistré. Django Unchained. C'était à l'époque de l'esclavagisme. Et non, franchement, c'est vraiment un bon film. J'ai adoré, vraiment adoré. Voilà, non, franchement, bon film, je vous le recommande. Voilà, assez quand même... Bah voilà, c'est du Tarantino, hein, c'est pas on sème l'amour dans les prés avec des petits papillons. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je pense que je ferais un trou dans un mur, je foutrais tout mon trésor, et hop, je mettrais un mur, oui bien sûr, un meuble devant. Que bois-tu en mangeant? De l'eau principalement, c'est assez rare quand je bois autre chose. Voilà, les sodas, c'est vraiment pas trop mon délire, quand j'en bois c'est vraiment très très rare. Après voilà, c'est principalement de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je ne mange pas de nuggets car je ne sais pas si vous savez, si vous êtes au courant, les nuggets sont faits à partir de poussins qui sont broyés vivants. Voilà. Quel est ton plat préféré? Je sais pas, comme je vous l'ai dit, j'aime énormément de choses, mais sinon j'aime bien les pâtes à la sauce tomate de ma mère. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Réponse. Ça craint un peu de dire un Disney, mais bon, c'est pas grave. Réponse, j'adore Réponse, je connais toutes les musiques par cœur. Et voilà, après, je pense qu'il y a un autre film aussi que j'aime bien, mais je sais plus trop. Le Taken, le 1 et le 2. Mais surtout le 1. Voilà, j'adore ce film-là. La dernière personne que tu as embrassée? Ma mère, car je l'ai laissée hier. Voilà, j'étais chez mes parents pour l'anniversaire de mon père, bref, on s'en fout. Et voilà, et la dernière personne que j'ai embrassée, c'était ma mère. Je t'aime, Mamoun. As-tu fait des scouts? Et non, je n'ai pas fait des scouts. Poserais-tu dénudée pour des magazines? Alors, je pense être la seule youtubeuse beauté à dire oui. Si c'est pas entrevue ou genre un truc assez dégueulasse, en mode je montre mes seins super vulgaires, etc. Mais il y a des photos très très belles de dénudées. Il y a des photos vraiment très très jolies de femmes dénudées qui sont pas du tout vulgaires et on voit pas, voilà, tout quoi. Là tout de suite non, mais après faut voir le concept. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Malheureusement il y a trop longtemps je crois, ouais un peu trop longtemps, je ne sais même plus pour vous dire donc... As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Je n'ai pas mon permis. Tombé en panne d'essence de voiture? Non. Tombé en panne oui mais pas d'essence. Ton sandwich préféré? Si, j'aime bien les sandwichs. Y en a un dans le... Oh putain, d'ailleurs, j'ai trop envie d'un sandwich, là. Un peu tard. D'un sandwich qu'ils font dans une boulangerie. C'est avec des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, de la salade et tout ça. Et c'est juste, mais trop, trop bon. Et ouais, non, franchement, j'aime trop ce sandwich-là. La meilleure chose au petit déjeuner? Un thé avec des gâteaux à tremper dedans. Non, sinon des pancakes, voilà. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? 1h, 2h du matin, en principe. Alors des fois, ça peut être plus tôt, voilà, c'est en fonction de ma fatigance. Ça se dit pas. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? En sorcière, voilà, comme la moitié des gamines de mon âge, hein, on s'habillait tous en sorcière. Très original. Quel est ton signe astrologique chinois? Oula, attendez, je vais regarder sur internet. J'ai un doute. Je suis l'année du rat. C'est sympa. Combien de langues peux-tu parler? Il y a parler et puis il y a parler couramment, quoi. Bah, bien sûr, donc le français, sans blague. L'anglais, ça va, je me débrouille, quoi, comme la moitié des gens. Je sais dire quelques mots en espagnol. J'ai fait 2 ans d'espagnol, hein, mais j'ai même pas dit... Mais je sais que dire assez frio, assez calor et vamos a la playa. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Je sais quelques... Ouais, je parle un peu russe. Ça va, je le comprends très bien, mais je le parle pas trop. Es-tu abonnée à un magazine? Non, je ne suis pas abonnée à un magazine. Plutôt Lego ou Domino? Domino. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Jean-Pierre Pernaut. Oh, alors... Claire Chazal nous fait chier. Elle est tout le temps comme ça en train de tirer la gueule. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Ouais, je sais pas, j'ai regardé pas mal de séries.
Après, je sais pas trop, l'eau de rose, ouais, il y a des histoires d'amour et tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. As-tu peur du vide? Bah, un peu, mais c'est pas ma peur, genre une peur de ouf, mais ouais, comme tout le monde, je pense. Chantes-tu dans la voiture? Oui. Chantes-tu sous la douche? Oui. Danses-tu dans la voiture? Oui, bien sûr! Utiliser un pistolet? Non, jamais, 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 mais j'aimerais bien savoir comment ça marche, quoi. Faire un cours et tout. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, bah, c'était au tournage Rose Carpet. Car si vous le savez ou pas, j'ai intégré Rose Carpet, voilà, ça y est. J'en suis très heureuse. Voilà, j'ai intégré la team Rose Carpet et je fais des vidéos dessus. Donc abonnez-vous à Rose Carpet, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, j'ai été photographiée par un photographe pour faire la miniature, etc. Les photos dans la vidéo et tout. Aimes-tu des comédies musicales? Bah oui, genre High School Musical, High School Musical, putain je dis toujours High School, non mais enfin what the fuck quoi, High School Musical. Noël est-il stressant pour toi? Bah non, pas du tout. Noël est une fête genre en famille et tout, c'est trop cool quoi. Et voilà, mais non non, c'est pas du tout stressant. As-tu déjà mangé un pierogi? Je crois que je sais ce que c'est. Bah oui, parce que je suis con. Je me dis ça me dit quelque chose, mais j'avais déjà filmé Stag avant, donc je me disais pierogi. Donc c'est le nom d'un plat typique de la cuisine polonaise. Ouais voilà, ouais, c'est des sortes de raviolis. Non, je n'ai jamais mangé de pierogi. Jamais. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux fraises. J'adore la tarte aux fraises. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors je suis passée par différents métiers. Voilà. voilà. Alors le premier c'était archéologue. Énormément archéologue. Je voulais être après gendarme. Mon père a voulu me renier de la famille quand il a su que je voulais être gendarme. Je sais pas pourquoi je voulais être gendarme, hein, mais voilà. Et je voulais faire un autre métier. Je sais plus lequel, mais je voulais faire un autre métier. Je me rappelle, il y avait archéologue et un métier genre, 50 ans d'études. Enfin, tu vois le truc. Crois-tu aux esprits? Ouais. Je suis pas genre super croyante, mais je crois un peu en tout. Et je me dis que ouais, ça doit bien exister. As-tu des impressions de déjà-vu? Alors j'en avais pas mal avant, et plus trop maintenant, même genre plus du tout. Prends-tu des vitamines? Quand je suis malade, ouais, je prends de la vitamine C. Puis des fois quand je me sens un peu molle et tout, ouais, mais sinon, non. Portes-tu des pantoufles? Oui. Où sont-elles? Ça vient d'un hôtel de... il y a 2 ans, putain, le temps passe tellement vite. Voilà, alors j'en ai trouvé une, mais j'ai pas trouvé l'autre, voilà, c'est des pantoufles d'hôtel complètement nulles, hein, mais... Un peignoir? Non, je n'ai pas de peignoir. Mais que portes-tu pour dormir? Alors moi, j'aime pas trop dormir habillée. Alors je sais, vous allez faire what? Elle le dit sur YouTube qu'elle aime pas trop dormir habillée. Mais je vais pas faire genre, j'ai une tenue spéciale pour dormir. Je dors particulièrement nu comme un verre. Mais sinon, bien sûr, quand je suis genre avec quelqu'un et que pas dormir à poil quoi, je porte genre un shorty là de chez Hollister. J'en ai pas mal en tissu, là, enfin en coton, et un t-shirt. Un crop top ou un truc comme ça, sinon voilà quoi, voilà voilà. Mon premier album reçu, je sais pas, ça devait être genre ou Les Rois du Monde ou Alizée là, l'album où elle est dans la godasse là, à talons, je sais pas si vous voyez, ouais Les Rois du Monde, Alizée ou Ilona, les singles là, putain, je me rappellerai toute ma vie de ça. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Je ne suis jamais rentrée dans un Delhaize et un Lidl non plus, donc je dirais Carrefour. Nike ou Adidas? Nike, bien sûr. Allô? Hamburger ou frites? Bah frites. Champ de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot, j'adore, je trouve ça magnifique. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? What the fuck? Non. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, des cours de danse classique. Voilà, quand j'étais gosse, hein, j'étais assez dégueulasse, hein, j'étais en plus un peu ronde. Et toutes les filles de ma classe étaient extrêmement fines. Et j'étais la seule à être un peu rondouillette. Enfin, j'étais pas rondouillette, mais je sais pas en fait. Les celles qui faisaient de la danse avec moi, elles étaient vraiment genre, elles étaient vraiment maigres. Elles étaient pas normales quoi, elles étaient vraiment maigres. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à développer un complexe sur mon corps. Je me suis sentie extrêmement grosse. Quel métier vois-tu?
ton futur mari faire? Voilà ma réponse. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue à part... je pense que tout le monde arrive à faire ça, genre... Ou genre... Non, je sais pas. J'arrive un peu à la retourner, genre. Genre la... Non, en fait, j'arrive pas à le faire. Mais avant, j'arrivais un peu mieux. Mais sinon, non, j'arrive pas à toucher mon nez. As-tu déjà gagné une coupe? Non, jamais. As-tu déjà pleuré de joie? Oh oui, plein de fois. Ouh. Moi, je pleure de toute façon pour rien. Voilà, je pleure tout le temps. As-tu un quelconque vinyle? Non, mais mes parents, oui. Un tourne-disque? Non. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Ouais, enfin, c'est pas de l'encens, c'est du papier d'Arménie. Je sais pas si vous connaissez. Je l'ai acheté à Nature et Découverte, voilà. Es-tu déjà tombée amoureuse? Je crois, ouais. Ouais. Je dirais oui. Qui aimerais-tu voir en concert? Ariana Grande, et je vais la voir. Le dernier album que tu as acheté, l'album de Tori Kelly qui s'appelle Handmade Song. La raison, pourquoi? Parce que je ne le trouvais pas sur The Pirate Bay. Voilà, je n'arrivais pas à le trouver sur aucun site qui casse torrent, machin, T411 et tout. Impossible de trouver son album, donc je l'ai acheté. Voilà, voilà. T'es chaud ou t'es glacé? Bah, thé chaud le matin et thé glacé l'après-midi. Thé ou café? Thé, bien sûr. Voyons. Avec du sucre ou petit gâteau? Petit gâteau, sûr à 3000%. Sais-tu bien nager? Ouais, genre normal. Voilà. Mais j'ai arrêté, avant je faisais la natation, mais j'ai arrêté parce que le mec il m'a dit ouais, tu vas avoir des épaules comme Laure Manaudou. Donc ça m'a un peu dégoûtée, donc j'ai arrêté la natation. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui. C'est quoi cette question? Bien sûr que oui. Es-tu patiente? Ça dépend la situation dans laquelle je suis. DJ ou groupe pour un mariage? DJ, mon gars, on va mettre de la trance à mon mariage. Je vous invite tous là, mes 100 000 abonnés. Vous ramenez tous là, hop. Dans le trance électro, t'inquiète, house et tout. Pompero, j'invite Armin Van Buren là et hop on se fait une... Et Hardwell et tout, Avicii, on se fait une grosse soirée les gars pour mon mariage. Alors là, franchement, à noter dans le calendrier, hein. À noter. Tu as déjà gagné un concours? Non, je crois pas. Si je participe jamais, donc voilà, je peux pas trop gagner. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir dans les trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est toujours les autres qui gagnent mais jamais moi. Bref, voilà. As-tu eu déjà recours à la chirurgie esthétique? Non. Olive verte ou noire? J'aime bien les olives noires, mais pas à la grecque. Genre les olives noires qu'on met sur les pizzas, vous voyez. Pas les olives noires toutes graisseuses. Et j'aime bien les olives vertes, sinon. Sais-tu coudre ou tricoter? Je sais coudre, oui, mais tricoter, je sais pas. Ma mère, je crois que m'avait appris quand j'étais jeune. Mais j'ai dû totalement perdre, je dois plus savoir tricoter. Hein. Meilleure pièce pour une cheminée? Salon ou salle à manger, mais c'est vrai que dans une chambre ça doit être sympa, une cheminée. Veux-tu te marier? Non, mais si la personne avec qui je suis veut vraiment se marier, je me marierai pour lui faire plaisir. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je suis pas mariée, hein, ça te saurait je pense. Es-tu un amoureux en primaire? Non, j'étais genre, je sais pas, tout le monde a déjà embrassé un mec en primaire, a déjà eu un mec en primaire. Moi non, j'avais personne quoi en primaire, j'étais la risée, j'étais... dans la cour au fond en train de pleurer et en vrai j'étais trop une comment on appelle ça, une pas une cassos mais genre une la rejetée du groupe quoi. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Bah je sais pas, j'ai pas trop genre quand je pleure quoi. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Ça se saurait aussi je crois. En veux-tu? Bah ouais je pense genre voilà quoi, je pense qu'à 30 ans, 30, 40 ans, si j'ai pas d'enfant et tout, je pense que je me ferais un peu chier. Donc ouais, j'aimerais bien avoir un gosse, une fille, si possible. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu, bien sûr, le bleu clair. Voilà, le bleu marine, le bleu tout simplement. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Ouais, mes parents et mon chien. Regardes-tu Koh-Lanta? Et non, je ne regarde pas Koh-Lanta. J'ai jamais vraiment regardé en fait, voilà. Je regarde pas trop la télé.
Bref. Et voilà, cette vidéo est terminée. Mon dieu, j'espère vraiment qu'elle n'a pas été trop longue, parce que là je me suis éternisée sur des questions, je racontais ma life, 3615 my life. Juste, je voulais vous dire, je n'ai pas fait de vidéo pour les 100 000 abonnés, je suis d'ailleurs super désolée, mais j'ai juste aucune idée. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un concours, si vous voulez une vidéo spéciale avec je sais pas qui, quelqu'un de ma vie, je ne sais pas, si vous voulez que je vous fasse plein de vidéos. Enfin, franchement, dites-moi les choses qui vous feraient plaisir dans les commentaires, parce que les 100 000 abonnés, bah, c'est grâce à vous. Et donc voilà, j'aimerais savoir ce qui vous ferait plaisir. Je vous promets de faire plus de vidéos plus souvent. Je fais plein d'énormes bisous, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, parce que je pense qu'elle a été assez longue. Et voilà, je vous embrasse. Bisous.